Bonsoir amis lecteurs de Bassist Magazine. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un numéro un peu plus simple qu'à l'accoutumée, en tout cas en ce qui me concerne. Donc tentative expérience pour ma part, donc bonjour. Avant de se lancer dans le sujet, je tiens quand même à m'excuser, car je me remets de quelques mésaventures médicales, notamment une intoxication alimentaire à mon avis. Donc excusez ma voix un peu altérée ces temps-ci. Si tout va bien, prochain numéro, elle sera revenue et vous pourrez vous bercer tranquillement. Bon. Ce numéro, comme vous pouvez le voir en dessous dans la vidéo ou sur le magazine si vous l'avez acheté, et si c'est le cas, bravo. Eh bien, cette vidéo est consacrée aux harmoniques à la basse. Bon. Avant de détailler un peu le sommaire, je tiens à donner une définition de ce que c'est une harmonique. Car après tout, on a tendance à passer ce détail sous silence, parce que c'est compliqué, mine de rien. Une harmonie, c'est quelque chose qui est très facile à faire par rapport à notre instrument, que l'on fait tous par inadvertance, parce que c'est cool, ou parce que, ben, par inadvertance, ou qu'on a l'habitude d'écouter, parce que les grands, certains grands en tout cas, l'ont popularisé, comme Jaco, avec l'intro, le bref extrait d'une intro de Jaco que je viens de vous jouer, Portrait of Tracy, qui d'ailleurs sera petit exemple pour deux harmoniques qu'on va étudier après. Donc, qu'est-ce qu'une harmonique? Eh bien, une harmonique, c'est compliqué. Ça a rapport avec votre longueur de corde, donc de votre scie à votre chevalet, et c'est une histoire de maths, en réalité. C'est une histoire de fréquence, de physique, de ratio mathématique. Donc, écoutez, pour que ce soit plus simple, j'ai pris des notes, pour qu'on puisse en parler de façon à peu près certaine, puis on va vite les oublier parce que vous allez vous rendre compte que ben, c'est chiant. Donc, un exemple, en acoustique, une harmonique est une composante d'un son périodique, entre parenthèses plus généralement d'une onde, dont la fréquence est un multiple d'une fréquence fondamentale. Oui, bon, donc on va... On va parler un peu autrement. En gros, ce que ça veut dire, c'est une harmonique, c'est une composante d'un son. En gros, quand vous faites une note, en réalité, dans cette note, il y a plein d'harmoniques. Qu'est-ce qu'une harmonique? Ben, c'est très vulgairement une note, et encore, c'est faux. Dans la pure définition du terme, c'est faux, mais on va partir dans ce sens-là. Ce sont plein de notes à des octaves, volumes différents qui vont s'entremêler et qui vont former une note que l'on va entendre par rapport au reste. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez une note sur votre basse qui est accordée beaucoup trop basse, coucou les syncordistes qui s'accordent beaucoup trop bas, eh bien, vous n'allez plus entendre la note fondamentale de votre corde, mais les harmoniques par-dessus. C'est pourquoi, ben, souvent, quand vous avez un bassiste qui va jouer plus bas que le La, une octave en dessous, mais encore en dessous, et ça est compliqué, eh bien, vous n'allez plus entendre un La, mais une note complètement différente, alors que physiquement, c'est ce que vous allez jouer. Eh bien, c'est à cause du principe des harmoniques. Voilà. Je pense que c'est la façon la moins rébarbative que j'ai pour vous le définir. Donc, on ne va pas rentrer plus dans les détails, comme la feuille que je viens de jeter vient de vous le prouver. Donc, restons sur ce principe-là, que une harmonique, c'est une note, une fréquence que l'on fait ressortir de notre corde en plaçant notre doigt dessus, sans fretter, comme ça. C'est anticlimatique, mais au moins c'est là. Donc, pour avoir une certaine logique des harmoniques, c'est important de comprendre vite fait la base. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est régi par la longueur de votre corde, pas par les notes. Ce que je veux dire par là, c'est que, regardez, ça, c'est une corde sol. Elle est tendue donc, entre le si et le chevalet, et la tension exercée sur elle me donne un sol. Si je change cette tension pour obtenir une autre note, par exemple un fa, eh bien, les harmoniques ne bougeraient pas, il s'en suivrait juste que les notes changeraient proportionnellement avec l'accordage. Mais rien d'autre ne changerait. Bon. Le point médian de votre corde se situe à peu près ici. Case 12, c'est pour ça que c'est toujours celle qu'on découvre en premier. Voilà, la nature est bien faite. Il s'avère que ben, l'harmonique case 12,
c'est votre fondamental une octave au-dessus. Voilà. Et à partir de là, ben, si vous commencez à décaler des harmoniques, vous allez pouvoir retrouver des points communs. Oui, comme quoi c'est aussi une question de symétrie. Donc quand je vous disais que c'est une question de mathématiques, c'est aussi par rapport aux règles symétriques, par rapport à des questions de ratio. Si ça vous intéresse, regardez Pythagore. Il me semble que c'est lui qui a démocratisé ça en premier. Mais bon, après on commencera à partir dans des analyses de théorie musicale un peu ésotériques, donc on va s'abstenir. Je ne crois pas que ce soit le magazine pour des analyses scientifiques. C'est pas contre vous, c'est comme ça. Donc, une harmonique naturelle, ouais, bah, en gros, vous venez de l'entendre. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous détailler le sommaire. Bon, surprise, hein, vous avez vu à peu près le tout début. Donc, on va voir 5 types d'harmoniques aujourd'hui. Bon, 5 types d'harmoniques, oui, je sais, normalement, on n'en voit que deux, mais bon, je me sens d'humeur généreuse, on est là pour donner, après tout, on partage. C'est la communauté française, je crois. Donc, on va voir les harmoniques naturelles, qu'on a déjà bien vues, mine de rien. Les harmoniques artificielles, entre guillemets, vous allez voir. Les harmoniques sub, pareil, vous allez comprendre. Les harmoniques glissées et les harmoniques tapées. Voilà. Bon, revenons sur le cours. Les harmoniques naturelles, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure et c'est ce que j'ai fait en majorité sur l'intro du numéro. Et il en existe sur quasiment tout le long du fretboard, et même, comme on a pu le voir, il n'y a pas forcément besoin de fret non plus. Suffit juste de savoir les trouver. Donc, si je repars de la case 12 et que je remonte, il y en a à peu près partout. Si je remonte encore, bon, il y en a encore un peu plus haut, mais ça devient tellement aigu que ça va devenir difficile de les entendre sans que je vous explose les oreilles. Donc je m'abstiens parce que je suis sympathique. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas une question de fret non plus, comme je le disais. Parce que vous pouvez le voir, sur la case 3, il y en a deux. C'est tragique. Et c'est aussi ça qui fait toute la difficulté des harmoniques, c'est qu'elles évoluent indépendamment du système que l'on connaît déjà des frettes. Donc c'est un autre système à apprendre. Ce qui est intéressant car il permet de créer des accords et des sonorités nouvelles, mais demande aussi pas mal de travail. C'est une certaine logique à apprendre. Par exemple, case 12, c'est une octave. Case 4, c'est une tierce majeure. Et chose incompréhensible, case 9, c'est une tierce majeure aussi. Case 9 et 4 n'ont rien à voir, pourtant ont rigoureusement les mêmes harmoniques naturelles. Ah voilà. Bon, je vais arrêter de parler des harmoniques naturelles parce que le temps joue contre nous. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai joué, je dirais, deux types d'harmoniques. J'ai joué principalement des harmoniques naturelles, mais j'ai aussi joué quelques harmoniques artificielles. Bon. Il y a deux types d'harmoniques artificielles à la basse, enfin à tous les instruments à cordes, je dirais, mais là je vais dire à la basse parce que c'est trop tard. Donc, les harmoniques artificielles dans le sens classique du terme, c'est un peu les harmoniques artificielles typées guitaristes. Vous savez, c'est ceux avec leur médiator où ils vont jouer leurs notes et en même temps utiliser un peu de la chair de leur pouce pour atteindre une harmonique en même temps et créer. Vous savez, ces fameux squeals qu'on aime tant chez Pantera, par exemple. Eh bien, on peut le faire aussi à la basse, un peu comme ça, en utilisant votre pouce et en utilisant un de vos doigts au choix pour faire ressortir l'harmonique. Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis mauvais là-dedans. Et j'ai pas envie de me ridiculiser. Mais je suis sûr que vous y arriverez très bien, si ça vous intéresse. Un autre type d'harmonique artificielle, que cette fois-ci j'ai joué dans l'intro, c'est une façon détournée d'obtenir des harmoniques naturelles un peu partout. Je m'explique. Puisque les harmoniques naturelles sont basées sur la longueur de votre corde,
Eh bien, quand on frette une note, eh bien votre index, ou peu importe le doigt que vous jouez, va agir effectivement, enfin, en effet, comme votre nouveau si. Donc, bah, si vous utilisez cette logique et que vous décalez, vous redécalez tout, bah, vous pouvez utiliser un autre de vos doigts pour créer une harmonique. Voilà. Et vous pouvez faire ça partout. Oui, c'est quelque chose de assez pratique, mine de rien, qui vous permet de jouer à peu près toutes les notes de façon harmonique. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous m'avez compris. Évidemment, si vous avez des grands doigts, bah, vous pourrez obtenir d'autres harmoniques et pouvoir varier un peu les plaisirs. Mais bon, j'ai pas des mains de géant, donc je ne vais pas pouvoir vous le démontrer plus que ça. Je m'en excuse. Donc, harmonique artificielle étant expliquée, on va passer un peu au point délicat de la vidéo, les harmoniques sub. Alors, qu'est-ce que ça veut dire harmonique sub? En gros, ça veut dire que vous allez jouer une note et que vous allez utiliser votre autre main pour essayer de mettre en exergue une harmonique, mais au lieu qu'elle soit aiguë, comme à peu près toutes les harmoniques qu'on fait ressortir, eh bien, elle va essayer d'être basse. C'est-à-dire, vous allez essayer d'avoir une harmonique en sub, qui va essayer de grossir votre son. C'est possible. Le problème, c'est que là, je vais le faire. Mais vous n'allez sans doute pas l'entendre, ou alors vous allez entendre une légère différence de timbre. Bien, je m'en excuse, mais sachez que c'est quelque chose qui existe, qui est tout à fait possible, mais que l'on entend vraiment avec des grosses enceintes, des grosses basses, dans le cadre d'un concert, ou alors ben, il faut vraiment des effets, une méthode de production vraiment qui cherche à le faire ressortir pour vraiment l'entendre. Donc je vais vous montrer comment faire, et vous ferez l'expérience. D'ailleurs, vous verrez, dans la partition, j'ai mis, en plus de numéro, enfin, de l'extrait d'introduction que j'ai joué tout à l'heure, Portrait of Tracy, donc, eh bien, je vous ai mis juste le A de Cantaloupe Island pour vous exercer à ça. Donc, pour faire une harmonique sub, comment fait-on? Rien de plus simple. C'est à peu près la même logique que l'harmonique artificielle que je viens de vous expliquer, donc en utilisant votre doigt, enfin votre index main gauche, comme si est. Eh bien, vous utilisez votre main droite pour fretter la frette 12 propre à la note que vous frettez. Donc, dans un langage un peu plus simple, un peu plus évident, ça veut dire que si vous frettez un sol, case 3, bah, vous ajoutez 12 cases et vous allez fretter un sol, case 15, avec votre main droite. Voyez là, par exemple, moi là, je l'ai entendu et je l'ai ressenti. Ça fait un peu vibrer. Je ne sais pas si vous, ça vous a fait à peu près la même chose, mais c'est une réalité physique. Voilà. Donc, si on compare, si je joue Cantaloupe Island sans. Maintenant, si j'essaye, je mâchouille. Avec. Vous voyez, mine de rien, même dans le timbre, ça reste un peu différent. On est un peu plus proche d'un synthé basse. Enfin, voilà, ça reste quelque chose d'intéressant et c'est une sonorité, une gimmick qui est quand même intéressante à explorer. Voilà. Et si jamais ça vous intéresse, ben, je vous redirige vers une interview de Michael League, bassiste des Snarky Puppy, sur un site qui s'appelle Reverb, où justement on l'a interrogé sur ses pédales d'effet, sur ses octaveurs préférés. Justement, il expliquait comment obtenir un son d'octaveur à peu près sans pédale, et il montre ce fameux petit cette petite astuce. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse et vous voulez voir un autre bassiste en parler, ben, je vous encourage à aller voir ça. Donc là, nous en sommes à la quatrième harmonique. Donc on va faire l'harmonique glissée, sans doute l'harmonique qui va être le plus rapide à expliquer. Un type d'harmonique, enfin c'est pas vraiment un type d'harmonique, c'est plus un effet de jeu appliqué à une harmonique. Vous allez comprendre. C'est plus habituel chez Bass Fretless, mais je tenais à vous le montrer juste pour pouvoir vous dire, rassurez-vous, ceux qui jouent avec des frettes, c'est possible aussi. Il faut juste vous appliquer un peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Harmonique glissée. Ça veut dire que vous allez devoir jouer une harmonique et
Et au moment où elle va sortir, vous allez devoir appuyer, donc fretter l'harmonique pour la glisser. C'est un exercice un peu périlleux, mais si vous appliquez, ça passe tout seul. Voilà, aussi simple que ça. Il ne faut pas le faire trop violemment, sinon vous allez tuer l'harmonique, il ne faut pas le faire trop doucement, sinon vous allez juste muter votre corde. Voilà, c'est tout. Vous faites l'harmonique et vous glissez. Voilà, aussi simple que ça. Enfin, la dernière. Enfin, le dernier type d'harmonique. Dernier. Le cinquième. L'harmonique tapée. Non, c'est le même principe que tout à l'heure pour l'harmonique sub, où on va fretter 12 cases plus haut, sauf qu'au lieu de la fretter, bon, on va la taper avec la main droite. Donc, petit clin d'œil, petit lien avec le numéro précédent, avec le tapping, c'est cadeau, toujours une petite logique, en tout cas c'est ce qu'on fait croire. Enfin, voilà quoi. Donc, pour vous faire travailler un peu ça, j'ai noté un exemple que j'ai baptisé Shamisen. Pourquoi ? Parce que ce type d'harmonique vous fait avoir un son un peu japonisant, un peu proche de cet instrument, même si en réalité cet instrument ne se joue pas du tout comme ça, mais ça peut y faire vaguement penser. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? À peu près le son que ça peut produire. Le tout étant de coordonner main droite et main gauche. Mais si vous avez suivi les numéros précédents, normalement, eh bien vous avez déjà l'habitude de faire ça. Je vous fais confiance. Hein, je vous connais, normalement. Hein, à force, entre nous. Bon, bref. Maintenant que ces 5 types d'harmoniques n'ont plus de secret pour vous, normalement, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance, car c'est un terrain, mine de rien, assez aventureux et qui reste assez complexe de par... toutes ces notions physiques exposées un peu plus tôt. Donc je vous dis bonne chance. Sachez que beaucoup de grands bassistes s'y sont aventurés et que c'est un chemin très intéressant. Donc je vous encourage à le parcourir. Vous apprendrez forcément quelque chose. Et au pire, vous aurez 2-3 trucs à jouer qui sonneront forcément cool aux oreilles des autres. Pour vous aussi, si tout va bien. Bon. Je vous dis bonne chance, amis lecteurs, et à très bientôt pour le prochain numéro. Au revoir.